Et salut tout le monde, c'est Micra, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hydroxy. Et comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, cet épisode sera un épisode blabla où on va voir ensemble certaines choses qui arriveront en 2018 sur la série Hydroxy surtout. Hein, on va se focaliser sur la série Hydroxy et bientôt, je sais pas exactement quand, peut-être la semaine prochaine, je vous ferai un Micra News qui parlera de la chaîne au complet. Mais là, on ne parlera que de ce qui arrivera sur Hydroxy et seulement sur Hydroxy, et un petit peu de ce qui est déjà arrivé, on va dire. Mais quand je dis Hydroxy, je parle pas du serveur, mais bien de la série Hydroxy sur ma chaîne. Donc, restez jusqu'à la fin, vous aurez un peu pas mal d'infos déjà, et notez que à la fin, du coup, je vous prépare, je vais vous montrer plutôt concrètement ce que seront un peu les projets potentiels du côté build dont on va parler à un moment ou à un autre. Il y a aussi possible qu'il y ait une petite surprise dont je n'ai pas le contrôle. Mais pour qu'il y ait quand même un petit peu de visuel, on va aller farmer un peu de quartz. Pendant que je farme du quartz, je vous parlerai de la suite de la série. Et pourquoi farmer du quartz? Parce que j'en aurai besoin à l'avenir. Comme c'est un épisode préparé, pas comme d'habitude, hein, je prépare très mal mes épisodes. Du coup, il y a de grandes chances que je fasse un peu de coupure au montage. Plus de coupure au micro que de coupure du jeu. Enfin, vous verrez peut-être pas au montage, enfin, il y aura des coupures au son, mais vous en rendrez peut-être pas compte. Donc, la série, je vous avais proposé pas mal de choses en fait, et je vous avais laissé le choix. Donc, vous avez proposé de me donner des idées. Alors, pour être franc, j'ai eu pas mal d'idées, mais de très peu de personnes, malheureusement. Alors, je pourrais toutes les citer presque. Si j'avais préparé mon épisode, j'aurais pu toutes les citer. Mais la plupart c'est Hellshoes, Killer, Shadow Player, non Shadow Blue, Bug Creeper, que ce soit direct ou indirect, hein, je dis bien. Maître BG, on m'en a suggéré une sans s'en rendre compte, hein, c'était pas une suggestion en soi, c'est juste que j'avais pas soulevé le sujet, donc j'en parlerai. Il y a Virtual aussi qui m'a proposé deux trois petites choses. Pareil, hein, c'est des sujets des fois qui est tombé un peu en mode. Un brûle-pourpoint, c'est peut-être un peu une expression de vieux là, mais un peu un cheveu sur la soupe, c'est aussi une expression de vieux. Mais en clair, c'est que c'est arrivé sans qu'on demande quoi que ce soit, sans que je demande quoi que ce soit. On m'a proposé certaines choses, alors que je vous avais proposé en vidéo de me dire en commentaire si certaines des idées que je vous avais déjà soulevées pouvaient vous intéresser ou non. Il y a eu l'épisode Lapin, pour ceux qui l'ont vu, qui était un épisode un peu de test, on va dire, totalement improvisé et en quelque sorte un peu test, parce que je voulais tester si ça pouvait donner quelque chose d'intéressant en plus de d'autres épisodes. Hein. La série ne deviendra pas l'épisode Lapin. Non, non, j'ai pas assez de drogue chez moi pour ça. Hein. Ironie, bien sûr, hein. J'ai pas de drogue. Bon. Donc, on m'a suggéré dans pas mal de choses, donc on m'a suggéré de faire une, voire plusieurs épisodes sur l'île du crâne. Alors, il n'y a pas d'ordre dans toute la logique de tout ce que je veux dire. Donc, il y a des chances que je fasse un live sur l'île du crâne, mais j'aimerais bien faire un live en groupe. Donc, on essaiera de s'organiser ça. N'hésitez pas à me donner vos dates, mais ce sera sûrement un dimanche, après-midi ou soir. Au choix. Je ne sais pas encore lequel, quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me tenir au courant. Je pense qu'on fera ça en début ou en milieu d'année. Essayer de faire l'île du crâne à plusieurs, pour le délire d'être à plusieurs, tout simplement, pour faire l'île du crâne à plusieurs. Donc ça, c'est une chose qui sera probablement plutôt fait en live, et peut-être que je garderai des rushs. Et que je montrerai un épisode. Donc ce sera pas pour un épisode futur, en clair. Peut-être pour un live un dimanche. Après, on m'a proposé de faire des events. Alors ça, je l'avais pas vraiment dit. J'englobe hein, plusieurs idées hein, là-dedans.
Je l'avais pas vraiment dit, mais c'est vrai que j'ai fait des events sur Kadar, mais sur Hydroxy, j'ai aucune intention de faire d'event. Je vais pas m'amuser à faire des events pour vous faire gagner des trucs, quoi que ce soit. Il y aura peut-être des events sur ma chaîne, en soi, ce sera lié à ma chaîne, donc par exemple des petits jeux concours pour vous faire gagner telle ou telle chose. C'est possible. Hein, c'est arrivé vite fait avec la quête d'Halloween. Mais il y a très peu de chances que je fasse des events parcours, des events cache-cache, des events etc. etc. Je suis pas animateur sur Hydroxy, si vous voulez des events tels ou quels qu'ils soient plutôt, n'hésitez pas à les demander à Anthony Player. S'il est dispo, ben, il vous proposera de faire ces events-là. Donc je ne ferai pas d'event sur la série. On m'a aussi proposé sorties PVP ou de lancer un tournoi PVP en quelque sorte. Enfin, c'était pas vraiment dit comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris. Alors ça c'est une idée qui me plaît pas forcément, mais qui me déplaît pas plus que ça. J'explique. Hein, en soi, je compte pas faire un tournoi, hein. Faut être franc. Mais si vous êtes intéressé et que vous êtes assez nombreux, un de ces quatre, on pourrait se faire un ou plusieurs épisodes où on essaie de faire des petits tournois amicaux, hein, je dis bien, hein, en tout bien tout honneur, avec un stuff peut-être en cuir par exemple, une épée standard, etc. etc. et essayer de se battre entre nous, en tout bien tout honneur bien sûr, et sans rage, sans quoi que ce soit, en toute amitié comme que dirait, hein, pour... Il n'y aura rien à gagner en clair, c'est juste faire une espèce de petit tournoi à plusieurs, dont vous. Ça peut arriver. C'est quelque chose que je pense que je ferai. Je ne sais, alors je ne sais pas quand, ça sera dans l'année qui arrive. Ça pourrait être quasiment sûr et certain. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et quand on peut les faire, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, possible qu'on fasse un petit peu de PVP. Alors, ce sera très peu de PVP. Alors, un autre gros morceau, c'est le build. On a parlé plusieurs fois, tu devrais builder des trucs, tout ça, tout ça. Alors, la série n'est pas une série de build, c'est pas un let's build, c'est un let's play. Mais on m'a proposé autre chose, et vous en parlerez bien plus à la fin, mais il y a de grandes chances que on fasse du build plus ou moins gros cette année. Et du coup, la série Hydroxy sera une... Côté build, hein, je dis bien, sera une variante, on va dire, à la série de build qui est Crafttown. Crafttown, c'est une série de build dans laquelle je fais du build de type moderne futuriste, mais possible qu'on fasse d'autres types de builds. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel type de build on pourrait faire. Vous verrez ça à la fin de la vidéo, quel terrain, quelle taille, enfin l'emplacement qu'on a et quels sont les projets potentiels qu'on peut faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on essaiera de faire ça. Bah, de builder ces types de choses. Alors je ne promets pas de timelapse sur cette série. J'avais dit au début de la saison que je ne ferais que très peu, voire pas du tout de timelapse, mais c'est possible que je fasse 2-3 timelapse, mais des timelapse qui seront rares. Hein, ce sera occasionnel, ce sera pas pour chaque épisode comme Crafttown où il y a un épisode, à chaque épisode il y a un timelapse. Donc voilà. Ça c'était pour le côté build, mais on reviendra un peu dessus à la fin de la vidéo. D'autres projets qu'on m'avait proposé, c'était de faire des épisodes aventure en quelque sorte. Mais je pense que Elchou et Playfruit vont les faire à ma place, pour être franc. Parce que ça m'intéresse pas. Tout simplement. Il est possible que m'invite, voilà, je cherchais le mot, sur une vidéo de Elchou, et peut-être que si Elchou fait une vidéo où il va chercher un manoir, par exemple,
Ben, je m'invite à faire une vidéo avec lui, et lui il gardera sa partie à lui, moi je prendrai ma partie à moi, avec mon montage, mon type de montage à moi, et vous aurez un épisode, en fait vous aurez deux épisodes, mais de deux points de vue différents. Parce que Elchou a une chaîne, et du coup vous pourrez voir sa vidéo avec son point de vue et avec son montage à lui, et vous pourrez voir ma vidéo avec mon point de vue et mon objectif à moi et mon montage à moi. C'est un projet qui peut être fait de ce type-là, mais je ne ferai pas d'aventure, entre guillemets, genre recherche d'un temple sous-marin, aller chasser un temple sous-marin, même si, comme je l'ai dit, c'est un let's play. En fin de compte, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de choses actuellement. Si Elchou est motivé pour faire ce genre de choses sur sa chaîne, ce qui a l'air d'être le plus ou moins le cas, je m'inviterai probablement de temps en temps dans ces épisodes et peut-être que je filmerai les miens en même temps et vous aurez ce type d'épisode. Donc, soyez au courant, donc il y aura des épisodes aventure, mais ce sera pas mes épisodes, ce sera les épisodes de quelqu'un d'autre que moi je ré-record en même temps. J'espère que c'est... Je suis pas sûr que ça soit 100% clair, mais j'espère que c'est assez clair pour tout le monde, que mon objectif n'étant pas de faire une aventure survie aventure quoi. Enfin, c'est une survie, mais c'est pas une survie aventure quoi. On va pas s'amuser à aller combattre le plus de wizards possible et j'en passe. Alors, dans les prochaines vidéos qui arriveront avant 2018, il y a un sujet, enfin, on m'a suggéré une vidéo. Je suis assez intéressé et assez chaud pour la faire, mais elle ne m'implique pas que moi, on va dire. Personnellement, ce serait donc pour une vidéo pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Elle implique le concours de décoration. Alors, il y a un concours de décoration de Noël, que je vous en avais parlé peut-être vite fait la semaine dernière, sachant que moi, je ne la ferai pas, c'était ça le sujet de la semaine dernière. Et non, je ne ferai pas le concours de décoration de Noël. Ça n'a pas changé. Mais on m'a suggéré, c'est pas parce que tu le fais pas que d'autres ne le font pas. Et comme tu as une chaîne, pourquoi pas ne pas aller visiter certaines maisons décorées et leur montrer les décorations de ces maisons et dire ce que tu en penses en termes de builder, en termes de joueur, en termes de youtubeur, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. J'ai trouvé l'idée pas si mauvaise que ça, mais le problème, c'est que par rapport aux dates de sortie, si je la tourne, peut-être pas maintenant, maintenant, mais si je la tourne dans les prochains jours, est-ce que vous aurez le temps de finir vos décorations pour que je puisse sortir ma vidéo le 20? Il me semble que c'est le 20, le mercredi prochain. Est-ce que j'aurai le temps, est-ce que vous aurez le temps de finir vos décorations, que je puisse visiter votre maison, filmer, faire mon montage et poster ma vidéo avant le 20? Mais si vous n'avez pas décoré, est-ce que plutôt je le ferai le 27, sachant que ce sera donc décoration de Noël après Noël? Donc cette vidéo-là, je ne peux pas la faire sans qu'il y ait un minimum de personnes intéressées pour la faire, en quelque sorte. Si vous me donnez vos coordonnées de maison, je suis prêt à aller faire le détour ou attendre que vous soyez connecté ou espérer que vous soyez connecté. Si vous... Carrément. Vous me dites dans les commentaires, voilà, j'ai fait le concours pour la décoration et vous me sous-entendez à un moment où vous serez connecté. Il y a peu de chances que je sois connecté à ce moment-là, mais si... Vous me dites que vous voulez que je visite votre base parce qu'elle est décorée et que vous me voyez connecté, bah, n'hésitez pas à me le dire en message privé sur le serveur. Mikra, est-ce que tu peux venir visiter la base pour que tu puisses filmer mes décorations de Noël? Je viendrai filmer vos décorations. Et puis, moi, vous n'êtes pas obligé d'être en vocal avec moi. Hein, et je donnerai un petit peu mon avis et... Est-ce que je trouve ça joli? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont de bonnes idées de décoration, etc., etc. Je suis pas un expert en décoration, attention. J'irai pas donner un prix, quoi que ce soit. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de projet de faire gagner quelque chose à qui que ce soit. Peut-être que je ferai gagner quelque chose, en fait. Mais actuellement,
J'ai pas le projet de faire gagner quoi que ce soit à qui que ce soit. Faut que ce soit dit. Mais peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre base, vos coordonnées dans dans les commentaires de la vidéo. Celle-là et la prochaine si c'est pas la prochaine que je fais cette visite. Donc vous mettez les coordonnées de votre base dans les commentaires sur le site. Et si tout va bien, selon le nombre de personnes motivées, je ferai des mini time-lapse, vraiment mini time-lapse de genre 30 secondes, avec un petit 360 de votre parcelle avec les décorations. Plus ou moins animées s'il y a de quoi faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc l'adresse de votre base, tout simplement. Et si vous me voyez connecté, n'hésitez pas à me dire, ah, je suis connecté, tu peux te TP chez moi et pour visiter. Notez la chose importante que si vous voulez que je vienne visiter votre base, il faut que votre claim soit ouvert ou que je sois add à la parcelle. Mais je vous demande pas de me add à la parcelle, je vous demande juste si vous voulez que qu'on puisse visiter, bah, il faut qu'on puisse rentrer. Donc si vous fermez votre parcelle, bah, moi je vais pas me déplacer. Je sais si la parcelle est fermée, si la parcelle est fermée, je vais pas me déplacer pour aller visiter une parcelle que je peux pas visiter. Logique. Donc, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous voulez que je vienne visiter votre parcelle. Possible que je fasse une vidéo juste parce qu'il y a deux personnes qui m'ont proposé. Possible que j'attende qu'il y ait au moins 5-6 personnes qui me le proposent. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. À noter, je dis bien décoration de Noël. Si vous avez juste planté un sapin, le sapin de Noël de Hydroxy, ça fonctionne pas. Hein, c'est pas une décoration de Noël, ça. Sinon, dans ce cas-là, moi aussi, j'ai fait la décoration de Noël. D'accord? Autre chose. Alors, du coup, je suis sur Hydroxy parce que je fais un let's play solo avec un peu de multi. Parce que ça m'intéresse plus que faire du solo complet. Ou sinon, j'aurais fait une série survie en solo, tout simplement. Donc, c'est une série let's play. Et son Minecraft chelou. C'est une série let's play sur un serveur multi. Mais c'est pas une série survie faction. Et sur le serveur, il y a des guildes. Alors, on me l'a demandé, est-ce que je vais créer une guilde ou est-ce que je vais en rejoindre une? On m'a demandé plusieurs fois de rejoindre une guilde. Je pensais l'avoir dit, mais c'est pas sûr que ça soit le cas en vérité. Il me semblait quand même l'avoir dit. Je ne rejoindrai aucune guilde. Aucune guilde. Est-ce que c'est clair? Aucune. Zéro chance. La seule intérêt que j'aurais d'aller dans une guilde autre que la mienne, théoriquement, ce serait que la personne a les mêmes visions que moi. Ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre des guildes. Ça veut dire qu'il a fait sa guilde juste pour en avoir une. Mais qu'il n'en a rien à foutre de la guerre des guildes, de la guerre d'upgrade telle ou telle chose, d'être le meilleur du meilleur de quoi que ce soit, de devenir le maire du serveur ou je sais plus quoi le grade que c'est. Ah non, c'est le. Donc, ça me sert à rien de rejoindre une guilde qui a ces ambitions-là. Donc, ne me demandez pas, ça sert à rien. Je ne rejoindrai aucune guilde. Voilà. Et possible, comme il ne faut jamais dire jamais, que j'en crée une ou que j'aille dans une guilde qui soit à aucun intérêt. En clair, une guilde d'une personne. D'une personne. Je l'ai mal dit, mais une guilde d'une seule et unique personne. Et du coup, on serait deux. Voilà. Voilà, je sais très bien qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait ça, qui ont une guilde juste pour avoir une guilde. J'en connais 4 actuellement sur le serveur qui ont une guilde juste tout pour eux. Voilà. Est-ce que j'en vois l'intérêt actuellement? Non. Est-ce que je comprends l'intérêt et est-ce que ça peut m'intéresser à la longue? Peut-être. Mais actuellement, je ne vois aucun intérêt de rejoindre n'importe, hein, quelle guilde. Voilà, c'est clair et net. Et je n'en créerai pas. Je créerai pas une guilde pour qui que ce soit. Même pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, parce que je sais très bien que sur les personnes qui sont abonnées à ma chaîne,
Beaucoup ont déjà une guilde. Je vais pas leur dire, voilà, tu veux rejoindre ma guilde, ben, barre-toi de la tienne et rejoins-moi. Non, ça m'intéresse pas. Et je suis pas sur un serveur faction parce que ça m'intéresse pas le faction. Sinon, je serais allé sur un serveur faction et pas sur un serveur guilde, qui est un ersatz de faction. Je suis désolé. Voilà, hein, faut que ça soit dit clair et net. Vous l'aurez compris peut-être qu'en sous-entendu, mais je vais le dire clairement, d'ici 2018, il va y avoir, il y a des chances qu'un épisode saute. Il y a des chances, c'est pas sûr. Il y a des chances que les épisodes vous plaisent un peu moins d'ici 2018, pas après 2018. Hein. En 2018, je vais relancer la machine, mais jusqu'à 2018, je vais parler un peu de ma vie hein, actuellement là. Je vais pas faire un vlog, hein, c'est pas le but de cet épisode. Mais pendant petites quelques secondes, je vais faire une parenthèse sur ma vie. J'en parlerai un petit peu aussi dans le Micra News qui arrivera bientôt. Il s'avère que j'ai signé un CDI IRL parce que c'est pas YouTube qui me fait gagner ma vie. Hein. J'ai besoin de payer les factures, j'ai besoin de manger comme tout le monde, j'ai besoin de manger, oui. J'ai besoin de payer les factures, j'ai besoin de toutes les choses que tout le monde a besoin, normal, hein. Les trucs assez standards. Et pour ça, il faut de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, le plus simple, c'est de travailler. Donc, j'ai signé un contrat. Si tout va bien, il va durer jusqu'à ma mort, comme qui dirait. Bon, j'espère pas travailler jusqu'à ma mort dans cette entreprise. Hein. Je vais pas aller plus dans les détails. Donc, j'ai signé un contrat en CDI à temps plein et du coup avec des horaires fixes. Ou quasiment fixe en tout cas là apparemment et du coup ben côté vidéo pour Hydroxy ça pose plusieurs problèmes. Déjà j'ai un temps d'adaptation que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de m'adapter à ce nouveau planning par rapport au travail, par rapport aux vidéos et j'en passe. Vous l'avez peut-être compris, peut-être vu, je ne sais pas. Mais actuellement, j'ai besoin de me roder. Donc, depuis quelque temps, je ne peux pas faire de vidéo avec un contenu très, très, très complet ou très travaillé. Actuellement, je ne peux faire qu'un gros contenu par série, par semaine. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de faire un gros contenu, un gros épisode pour Crafttown qui arrivera vendredi ou samedi. Du coup, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire un épisode, un gros épisode sur Hydroxy. Et moi, ce que je vous avais proposé, et malheureusement, vous n'avez, mes yeux, pas assez été réactifs, c'était des idées. La plupart, beaucoup m'en ont donné en vocal, très peu m'ont donné à l'écrit, mais pour ceux qui m'ont donné des idées, m'en ont donné beaucoup. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas osé me donner des idées, mais vous auriez très bien pu me donner des idées et on aurait très bien pu commencer ces projets ensemble. Aucun de vous ne m'a proposé de builder tel ou tel projet en build, par exemple. Et j'aurais fait une série build sur, enfin, deux, trois épisodes de build chez quelqu'un, par exemple. C'est une idée que j'avais lancée et personne n'a eu le projet de ça. Donc, bah, pour le moment, c'est pas un projet qui sera fait. C'était une idée que j'avais lancée. Voilà. Bon, je referme complètement le côté vlog, hein, entre guillemets. Donc, actuellement, jusqu'à la fin de l'année, c'est les fêtes. Donc, il y a plus de boulot dans le travail IRL que j'ai. Du coup, comme je suis sur un temps plein et en plus, il y a les fêtes, il y a plus de boulot, il me faut un temps d'adaptation pour pouvoir calibrer mon temps de jeu, mon temps de vidéo, mon temps de travail, mon temps de repos, et j'en passe. Bien sûr, si vous avez 35 000 euros à me donner, je suis preneur, hein, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me contacter. Hein. J'allais dire, les liens sont dans la description, mais j'ai rien pour que vous puissiez m'envoyer 35 000 euros. Non, enfin bon, ça c'était la vanne moisie. Donc pour la série Hydroxy,
je vous ai montré les idées qu'il y a eu, et vous voyez que en soi, j'ai englobé plusieurs idées pour lui montrer. Il y a eu plusieurs idées qui ont été données, genre PVP. On m'a suggéré des épisodes PVP troll, par exemple. On m'a aussi suggéré des épisodes où on ferait des duels. On m'a aussi proposé de faire de fabriquer une espèce d'arène de combat et de se mettre sur la gueule. Voilà. Vous voyez, et j'ai englobé ça juste dans des épisodes PVP. Oui, pourquoi pas. Mais ça, ce sera que en tout bien tout honneur et de préférence avec toute personne viable en vocal. Pas obligatoirement avec un micro, hein, je dis bien, mais c'est plus simple d'organiser quelque chose en me donnant des directives, en disant voilà, c'est à toi de combattre machin, c'est à toi de faire ceci, c'est à toi de faire cela. Même si la personne n'a pas de micro, elle peut très bien entendre et dire ah, c'est à moi d'aller combattre machin. Voilà. Donc, il y a une forte chance que ce genre de choses soit fait sur Discord. Donc, Discord, j'ai pas besoin de vous le présenter, n'hésitez pas à aller checker ça sur internet, c'est quoi Discord, si vous savez toujours pas c'est quoi Discord. Depuis le temps quand même. Quand même, pas d'autres arguments. Actuellement, je suis comme beaucoup d'entre vous, j'attends la 1.13 avec impatience. Et aussi donc du coup si la 1.14. Mais pour Hydroxy, la 1.14, je vais être franc, elle n'a strictement aucun intérêt pour la suite de ma série. Strictement aucun. Aucun. Alors actuel, bien sûr. Le trident, je m'en fous. Sur Hydroxy, bien sûr. Les blocs de sous l'eau, je m'en fous. Je vais pas builder un truc sous l'eau. Donc, je m'en fous. Y a quoi à 1.14? Bon, les nouveaux blocs, oui, ça, je m'en fous pas. Mais ça, c'est pas lié qu'à la 1.14, c'est lié à la 1.13. Donc, l'aquatique update sur Hydroxy, je m'en fous un peu. Pour être franc. Mais la 1.13, sur Hydroxy, j'avoue, je l'attends avec impatience. Parce que la 1.13 va apporter l'arrivée potentiellement de nouveaux blocs, et à partir de la 1.13, on va avoir beaucoup de nouveaux blocs, et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. De nouveaux mécanismes en Redstone, ça m'intéresse beaucoup. Pouvoir enfin se renouveler en Redstone, parce que ça fait longtemps, vraiment longtemps, parce que l'année dernière, on a eu les observeurs, mais en Redstone, ça fait longtemps que on se fait chier. J'ai pas d'autre mot, on se fait chier en Redstone. Les personnes qui font de la redstone, elles se font chier depuis un paquet de temps. Il y a encore des usines qui fonctionnent depuis que la redstone existe, quoi. Depuis que la 1.8, il y a certaines usines, elles n'ont pas changé. Et elles sont aussi pourries qu'avant. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de faire certaines usines. Et avec l'arrivée de la 1.13, hein, bien 13, pas 14, on va avoir de nouveaux mécanismes liés, à la 1.13. Parce que les blocs seront plus les mêmes et le fonctionnement des blocs ne seront plus les mêmes. Que certains blocs, certains concepts de redstone vont changer. On les connaît pas tous pour le moment, les changements. Mais il y aura pas mal de changements. Etc. etc. Donc, pour le moment, c'est vrai que, entre IRL, comme je vous ai parlé, le peu d'idées que vous m'avez données et l'envie d'attendre la 1.14, pour le moment, la série est un peu en stand-by. Mais, et c'est là qu'on va faire une coupure, il y a un énorme projet qu'on m'a lancé. C'est un projet que je voulais faire, mais je me suis dit, pourquoi se contenter à Crafttown si je peux le faire ici aussi, c'est faire du build. Du coup, je vais retourner sur ma parcelle, faire une coupure. J'espère qu'on ne m'aura pas trollé sur ma parcelle, parce que j'ai laissé des personnes sur ma parcelle. On verra bien. Donc je vais retourner sur ma parcelle et on va voir ce que donne ce projet, ce gros projet, et ce qu'il pourrait donner à l'avenir. Alors, allez. Du coup on est sur ma parcelle, avec mon petit sapin, noté. Ouais, j'ai rien. Je vais dire, qu'est-ce que. Allez, c'est avec les items. Oh, ah, ça c'est pas trop mal. Voilà les items que j'ai eu, hein. Pour le moment j'ai pas eu grand-chose. Bon, il y a l'éponge et le bloc de diams, ouais. Ça encore c'est bien même si ça se craft.
C'est toujours bon à prendre. Oui, j'ai pas eu grand-chose de très intéressant. Mais bon, hein, c'est un sapin. C'est tout item est bon à prendre, on va dire. Notez que vous voyez, il y a des changements. Bon, ça c'est un troll de... Salut Dub, le killer. Ok, on va pas chercher à comprendre. C'est logique pour Killer. Et justement, Killer. Et là, vous avez vu des coffres à côté de moi, enfin à côté de chez moi, et des barrières. Pourquoi? Parce que justement, projet build, je vais me lancer dans du gros, méga gros build sur plusieurs parcelles, mais sur des séries en commun avec d'autres personnes ou sur d'autres youtubeurs. Parce qu'en fait, actuellement, il y a ma parcelle, là où on est actuellement, qui n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Hein. Et maintenant, on a une parcelle juste à côté, c'est la parcelle de Killer. Hop, Killer of Night 69. Tadadam. Pour le moment, bon, il vient juste de s'installer, du coup, il a juste privé des coffres et des fours, simplement, pour mettre ses items et déménager. Et lui, pour ceux qui ne le savent pas, franchement, je sais pas qui ne le sait pas, alors je voulais faire un effet dramatique, mais du coup, ça a pris plus de temps que prévu. Donc je disais, Killer of Night a une parcelle et un grade roi. Et vous voyez, toute cette zone, c'est chez lui. Les barrières, tout ça, c'est chez lui. Et justement, on va builder des choses chez lui. Alors, pour le moment, le projet complet n'est pas fixé. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Il y a cette étendue d'eau ici. On va forcément faire un truc. Exactement quoi, je sais pas. C'est compris que ça allait. Qu'est-ce que ça va être? Non précisément. Ce sera un bateau. Ça paraît clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, hein, depuis tout à l'heure, je suis toujours en gamma au max. Hein. Pendant le laser, c'était plus pratique d'avoir le gamma au max. Donc on voit sous l'eau. Hein. Donc, ici, on va faire un bateau. Mais en dehors de ça, quel bateau? Un paquebot, un bateau de guerre, hein. Un destroyer, un porte-avions, un bateau de type caravelle, façon Christophe Colomb, un bateau de pirate, un bateau type yacht super de luxe de ouf de la mort qui tue, parce que qui a quand même une sacrée étendue quand même. Hein. N'hésitez pas à me donner ça en commentaire déjà. Mais n'hésitez pas à donner des idées dans les commentaires et je donnerai ces idées à Killer, il en fera ce qu'il veut. Et Killer, moi et peut-être d'autres personnes, on va s'amuser à builder des choses ici. Il y aura peut-être des timelapses et on fera ben, peut-être certaines choses. On ne sait pas encore exactement. Peut-être une ville moderne, futuriste, western, apocalyptique. Je sais pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à le poster en commentaire. Vos idées de build. Vous voyez un peu le terrain, on est dans un mesa, sur la côte, on a une côte, on a une colline, assez bien. Et on a jusqu'à là-bas, et je sais pas si on voit, même pas assez loin. Toc toc toc. On va avancer encore un peu. Ouais, jusqu'à là-bas. C'est sa parcelle. Donc on a toute cette zone-là, on pourrait construire des trucs. Toute la zone où vous avez vu avant, on peut construire des trucs. Vous voyez, on a énormément de terrain et énormément de choses assez sympas, on va dire. Une belle grosse colline, deux grandes vallées, des petites baies, je crois que c'est ça, des petites baies, pour faire des choses. Petites, c'est un euphémisme, hein. Quand même assez grand, hein. Une ici, une de l'autre côté, comme vous avez vu. Bon, les petits lacs ici, je pense qu'il y a forte chance qu'ils virent, hein, parce que c'est pas très joli. Mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de builder? Vous voyez, niveau build, on sera sur du Craft Town 2.0, on va dire, où on fera d'autres choses. Et là, au moins, j'aurai des Mexicains sur ce serveur. Et ce sera un peu plus facile parce que je peux racheter des blocs à des gens et tout et tout et tout. Mais vous me dites, bon,
Déjà, c'est bien gros, mais t'as fait un teasing de ouf pour une parcelle roi. Ouais. Mais en plus de cette parcelle roi, il y a une autre personne, vous avez pu le voir ici. C'est une parcelle citoyen actuellement, mais plus tard ce sera peut-être une parcelle plus grande. C'est Virtual. Donc Virtual qui va aussi s'installer ici. Et du coup, à la longue, on aura aussi une parcelle avec Virtual qui fera peut-être aussi des vidéos et on buildera aussi des trucs chez Virtual. Peut-être dans un autre thème, peut-être un complément du thème qui est actuellement ici, enfin qui aura ici plutôt, parce que pas actuellement, mais qui aura de ce côté-là. Pour le moment, elles ne sont pas collées, mais à la longue, elles seront collées. Mais en plus de ça, pour le moment, il n'y a toujours pas. Mais ici, collée entre cette parcelle et la mienne, il y aura une autre personne encore, avec une parcelle prince, donc la moitié de la parcelle dans laquelle on est actuellement. Donc, potentiellement, si je compte, on aura une parcelle 257 sur 257, plus une parcelle 33 sur 33, plus une parcelle 128 sur 128, ou 129, je sais plus, 128 sur 128, plus ma parcelle qui upgradera, qu'elle a actuellement, vous voyez, qui va passer en 65 sur 65, si je me trompe pas. Et en parlant de ça, en parlant de parcelle, on va laisser le petite chose de la fin. Hop. Voyez le chat. On va faire comme dans les épisodes précédents. Vous allez voir un petit message dans le chat. Attention, c'est magique, c'est fantastique. C'est du plastique. Je ne sais pas pourquoi je sors cette référence. C'est une vieille référence, hein, cherchez pas. Pouf! Un magnifique stuff dont je m'en fous complètement. Du coup, j'ai perdu les items, mais je m'en fous totalement parce que c'est du stuff de merde. Bon, je vais garder pour un bloc de diam, pour les blocs de diam, mais le reste, je m'en foutais complètement, hein, pour ceux qui se posaient la question. Mais évitez, hein, de faire ça si vous voulez avoir les items. Personnellement, moi, avoir un stuff moisi, ça m'intéressait pas. Bon, les pommes dorées, peut-être que ça aurait pu être intéressant, mais je vois pas l'intérêt non plus. Donc, voilà, j'ai eu le casque quand même. Franchement, là, choisir, regardez-moi ça. Ça, ou ça, ou bon, voilà. Enfin, j'ai les petits diamants, et on a monté en grade. Un petit grade en plus. Un petit bourgeois. Bourgeois, c'est quelle couleur? Il fait un miaou. Je sais pas quoi écrire. Bonjour, c'est blanc. Ah, c'est moche. Donc, avec l'event du calendrier de l'Avent, je vais pouvoir monter en grade et monter écuyer assez vite. Quand je dis assez vite, c'est genre dans l'ordre du avant la fin de l'année. Pas d'autres mots. J'ai un truc compliqué. Mais voilà. Donc j'espère que quand même cette vidéo vous a plu, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo en termes après montage. Actuellement, ouais, du coup, j'ai pas la dernière fois que je ne vois plus. Actuellement, je suis à 1 heure de record. Je pense que je vais avoir beaucoup de trucs à couper. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est pas le cas. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge si c'est pas le cas. À partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à me rejoindre sur ces mêmes réseaux sociaux, à me donner vos idées en commentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos projets pour l'event de décoration de Noël en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Sinon, moi, je vous invite fortement à regarder et à guetter l'épisode qui sortira vendredi ou samedi de Crafttown. Parce que ça va envoyer du steak de ouf, le timelapse va envoyer du lourd, du très lourd, du vraiment très lourd. Et personnellement, je bûche sur ce timelapse depuis un mois. Et vous comprendrez pourquoi je pouvais pas faire une vidéo de ouf en plus de celle de Crafter. Donc sur ce, moi je vous dis ciao ciao et à plus pour un prochain épisode de Hydroxy. Ciao ciao! Laisse un pouce bleu si t'as bien aimé.